Non, ne pars pas. Arrête, Cora, je dois partir pour ma conférence annuelle des anciens agents secrets. Pitié, ne me laisse pas tout seul. Désolée, je n'ai pas trouvé de nounou. Je ne comprends pas pourquoi aucune n'accepte de te garder plus d'une fois. Parce qu'elles n'ont pas le sens de l'humour. Je serai de retour en fin de journée. J'espère que tu ne t'ennuieras pas trop. Moi, je m'ennuie jamais. Papa, on est prêts. Bien, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Oui, oui, cet après-midi. Sans faute, oui, au revoir. Oh. On va pas jouer, c'est ça? Je suis désolé, une urgence, je n'ai pas le choix. J'essaye de faire vite, mais il ne faudra me déranger sous aucun prétexte, ok? J'ai besoin de calme pour me concentrer. Ça, c'est calme? Papa adore écouter du rock quand il est stressé. Ça l'aide à se concentrer. Ah oui, là il doit être très stressé. Bon, moi aussi je dois aller travailler. Soyez sage et jouez dehors pour éviter de déranger papa. Hein? Je m'ennuie. Ah, je m'ennuie. Je m'ennuie. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Jouer avec vous. Je m'ennuie. C'est vrai qu'à quatre, ce serait mieux. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Le chacha, sa maman, il s'ennuie. T'as vu comme il nous regarde? Il prépare un sale coup. Ah mais non, pas du tout. J'ai rien derrière la tête. Allez, on joue à la sauce. Hey. J'arrive, Tao, j'arrive. Dans tes rêves, de toute façon, t'es nul à ce jeu. Nul? Regarde, je suis un chat volant. Ça pour voler, tu vas voler. Tu m'attraperas pas. Lâche-toi. Comme tu veux. Ciao, chat volant. Ah, on respire mieux, non? Tu as été un peu fort, Bill. Caporal voulait peut-être vraiment jouer avec nous. Bah, on vient de jouer à chat. Ouais. Bon, je vais faire une petite sieste. Voler, c'est plus fatigant que ce que je pensais. Ras la croquette de ce chat. Je vais lui faire avaler son collier et moi. Et lui fraiser les oreilles jusqu'à ce qu'il apprenne à violer. Eh ben, arrête, George. Arrête, 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 arrête. C'est un spinule, arrête. Oui, j'ai mal à la tête. Non mais qu'est-ce que tu vas me lâcher? La partie est ultra serrée. Je me suis mangé pas mal de l'orphanaire pour apprendre à maîtriser cet engin volant, mais ça valait le coup. Maintenant, je suis l'invincible chat des je disais. Non, c'est pas vrai. Je suis l'invincible chat volant. À quoi tu joues, l'insupportable chat puant? Lâche-nous, caporal. Avec plaisir. Caporal, il est vraiment devenu invincible. Caporal, où est-ce que tu vas? J'en ai ras les moustaches de m'ennuyer, alors maintenant je vais m'amuser. Chez vous. Chez nous? C'est la cata. Hé, gamin, on va rester là. Une terrible bête sauvage s'est échappée. Vous parlez du chat volant? Et pourquoi pas un chien avec des oreilles magiques? Non, je parle d'une vraie bête sauvage. Retourne jouer chez toi, petit.
Ce sera donc entre nous et lui. Oh, tiens, salut, George. George? Fait un peu froid, mais... Oh, c'est délicieux. Caporal, mais qu'est-ce que tu fais là? On a fait un pari avec Bully Bill. J'ai gagné et... Oh, c'est trop bon. Du coup, George et moi, on est chez nous ici, maintenant. Tu sais s'il y a de la moutarde? Chut, pas un bruit. Pas un bruit. Moins de bruit, il faut pas déranger papa. Il est venu s'excuser. On veut bien jouer avec toi, mais dehors. Il fallait y penser avant. Si vous voulez que je baisse d'un ton, dégagez. Je garde que la tortue pour jouer avec moi. C'est la seule qui est gentille ici. Ah bon? C'est que je... Ce sera l'occasion d'apprendre des jeux de tortue à Caporal. Oui, c'est vrai. Caporal, je reste avec toi. Super. Non mais ça va pas la tête. Allez, c'est pas tout ça, merci d'être venu, il faut partir maintenant. George. Les enfants, moins de bruit. Alors, on joue à quoi? Ah mais je préférais, on va s'éclater. Non mais t'es devenue ma boule. Du calme, Bill. J'ai élaboré un plan avec Caro. On ne peut pas combattre Caporal dans la maison sans déranger papa. Donc, il faut le faire sortir. Comment? Caporal est venu parce qu'il s'ennuyait. Grâce à Caro, il va être servi. Pour commencer, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une feuille de salade qui a perdu sa petite sœur à cause d'un coup de vent. Oui! Alors, elle essaie de la rattraper encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Salut Caporal, tu viens jouer avec nous? Oui, oui, j'arrive. Jamais de la vie. Et maintenant, on va jouer à la dinette. Génial. Tenez, madame la marquise. J'ai l'air d'une marquise, moi? Oh là là, merci, ça me fait très plaisir. C'est du jus d'échalote, très bon pour le teint. Bon bah, je crois que je vais faire un petit tour. Attends, on va jouer au jeu préféré de toutes les tortues. Statue de cire. Le premier qui bouge a perdu. Stop. On va faire du hop, on fait une revanche. Salut Caporal, tu joues avec nous? J'arrive. Prêt pour la contre-attaque. Coucou. Allez, viens, on va bien s'amuser. Ils sont louches. Garde bien la porte, t'as compris? Tu vas faire la course avec Bill. Le premier de vous deux qui attrape le chapeau a gagné. Je l'ai. Va-t'en de ma maison, toi. Oh là, c'est pas une bonne idée. Je l'ai. Alors, qu'est-ce que je gagne? Mais qu'est-ce que tu... Le pauvre. On va le rattraper. Gagné. Viens-moi, viens, Bill. Essaye, mais j'ai les oreilles moites. J'ai les griffes qui chauffent. Je te tiens. Cette bête sauvage est encore plus redoutable que je ne le pensais. Et là, elle ne m'échappera pas. Victoire! Les salades sont sauvées maintenant. Je vais vomir toutes mes croquettes du matin. Oh, j'y
Si tu crois que tu vas me soudoyer avec ces yeux-là, tu te mets la coquille dans l'œil. Je vous l'emprunte. Non, qu'est-ce que tu fais, malheureux? Regarde par là, toi. Le chat volant. Tiens bon, caporal. Mais dépêche-toi, grosse saucisse. Je te tire. C'est pas le méchant. Vite, vite. Il faut éteindre Georges. Merci. Un escargot hyper vorace, un chat volant. Il est temps d'aller se coucher. Bravo. Vous avez réussi. Où est-ce que tu crois que tu vas, toi? Arrête, Bill, on a fait une erreur ce matin. Hein? Quelle erreur? Caporal veut juste jouer avec nous. On doit lui laisser une chance. Bon, ok. Quoi, tu veux vraiment que je joue avec vous? Non mais ça va pas la tête, j'ai plus besoin de compagnie maintenant. Surtout pour jouer à vos jeux idiots. Ça y est, j'ai fini de travailler. C'était plus simple que je ne pensais. Enfin, il faut dire que je suis quand même particulièrement doué. On va au parc faire du cerf-volant? On a eu assez d'objets volants pour aujourd'hui. Si on faisait un jeu plus calme? Ah bah, comme vous voulez. Jeux vidéo? Super! Spécial. Un terrible orage va s'abattre sur la ville. Gare à la foudre. Il a dit la foudre. Zéro. Alors, où est-ce qu'ils sont cachés? Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qu'il a, il claque des dents, je crois qu'il a la trouille. Foudre. Il a dit foudre. Il a dit foudre. Si c'est pour le vase, Bill, c'est pas la peine de te mettre dans un état pareil. Je ne l'aimais pas, mais je peux pas mettre tous les cadeaux de ma copine au grenier. Hé, pousse. Au cas où personne me trouve, je suis là. Je me recache. Ah, l'ananas, il a bougé. Et n'oubliez pas de bien vérifier l'état de vos paratonnerres. C'était notre bulletin d'urgence météo en prévision de l'orage de demain. C'est à cause de l'orage? T'as peur, c'est ça? On a un paratonnerre à la maison, maman. Il a bougé, j'en suis sûre. Ouh, maman. Bon, je demanderai à papa. Viens, Bill, je vais te prouver que tout va bien. Oui, ne partez pas, maman. Oh, Caro. Interdit aux enfants, matériel dangereux. Seul un professionnel peut... Gna, 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 gna. On n'est jamais pris au sérieux. Je suis désolée, Bill, je sais pas comment faire. C'est bizarre, il fait tout bleu. Ça va être un orage surprise. Arrête de t'inquiéter. Il y a autant de chances qu'un éclair te tombe sur la tête qu'un oiseau se prenne un arbre en plein vol. Oui, tout va bien, pas de bobo. Oh, oh, on se revoit après l'orage. Bon, je n'aime pas dire ça, mais il faudra pas compter sur papa. Il a la trouille des trucs électriques. Et maman, elle va encore nous dire que... Pour l'orage, il suffit de rester bien au chaud à l'intérieur. Voilà. Donc mes amis, mauvaise nouvelle, la seule personne qui peut nous aider, c'est Madame Stick. Je sais, vous ne l'aimez pas trop. Hein? Bill? Gentille la voisine, gentille. Elle va nous aider. Mais arrête! Aïe! Désolée, je lui ai dit que vous alliez nous aider, du coup il est devenu fan. Ah, il ne l'était pas déjà? Et je suis censée vous aider à quoi, jeune homme? C'est Bill, il a la frousse des orages et comme je suis pas sûre que notre paratonnerre soit top, je me disais que vous seriez d'accord pour nous en construire un. Ben voyons, et un sous-marin hélicoptère et une râpe à fromage à énergie solaire tant qu'on y est. J'ai du travail. Méchante voisine, méchante, elle veut pas nous aider. Mais... Et l'orage? Justement, l'orage! Je dois protéger mes plantes! Désolée pour ton cabot pétochard. Il n'a qu'à prendre exemple sur Caporal. Lui, ce n'est pas le genre à trembler pour trois gouttes. Qu'est-ce qu'il y a, trois gouttes? Il va y avoir un orage avec de la pluie et tout! Par pluie, tu entends de l'eau qui mouille? Ah! Ça ne doit pas être si compliqué, un paratonnerre. C'est nul de pas être des scientifiques. Tu as dit scientifique? Tu veux devenir un savant? J'aimerais surtout en rencontrer un. Eh bien, je crois que c'est ton jour de chance, jeune homme. Tu en as juste un devant toi. Les mathématiques, la physique quantique, la chimie, la robotique, l'aérodynamique, la gravité,
C'est ma passion. J'ai entendu que tu avais besoin d'un paratonnerre. Je peux le faire. Oui, oh oui. Hop, je vais pouvoir prouver que je suis un inventeur de génie. Oui. Mais vous avez déjà inventé des trucs? Oui. Des trucs qui fonctionnent? Non, à chaque fois j'étais à deux poils de moustache de la réussite. Mmh. Je le sens pas du tout. Arrête de faire le trouillard. T'as entendu? Il va nous aider, c'est génial. Génial? Je ris. Dangereux, oui. Lui, scientifique. Et moi, je suis dresseuse de kangourous. T'es un gros scientifique. C'est juste que personne n'était au courant. Il faut pas vous embrouiller pour nous, hein. Je parie sur mon honneur que je peux fabriquer le paratonnerre le plus performant de la ville. Donnez-moi des outils et je vous jure que mon paratonnerre ridiculisera votre gadget. Top là, la vieille. Bon, toi qui voulais de l'aide... Le bleu est un peu moins bleu. Ça tire vers le gris. Il faut se grouiller le derrière. On pourrait les aider. Du travail à l'ancienne. Dépassé. Vous allez au labo secret? Je peux venir? Je peux venir? Certainement pas. Un défi demande de la concentration, de la précision et surtout du calme. Pas d'un ouistiti qui joue encore avec ses crottes de nez. Ne l'écoute pas, Boule. La science, c'est d'abord de l'imagination. Et je suis sûr que tu n'en manques pas. Viens faire équipe avec moi. Équipe? On ne m'avait pas précisé qu'on travaillait en équipe. Si on ne me donne pas les règles, je ne peux pas les suivre. Boule, tu viens avec moi au labo. Après tout, il m'avait choisi en premier. Non, mais moi, je veux juste regarder, hein. Moi, je me mets en zone de neutralité. Oh, et ça discute, ça discute. Il faut s'activer. On n'a qu'à les aider tous les deux. Chers scientifiques, nous serons vos assistants pour la journée. Chacun votre tour. Je suis génial. Alors là, c'est sûr, ils vont me les payer. Ça y est, les extraterrestres. Désolé, j'ai fait une boulette. C'est pas les extraterrestres, ça? Mais, non, mais qu'est-ce que vous fabriquez? La science, c'est une succession de petits échecs pour une grande réussite. Monsieur Moustache et Madame Stick nous aident à construire un paratonnerre. Hein? Ils vous aident surtout à déconstruire. Il n'y avait pas un moulin ici? Je m'en souviens pas. Mais et pourquoi tu veux qu'ils te construisent un paratonnerre? On en a déjà un. Mais il est vieux, il sert plus à rien. Sympa. On va discuter de ça à la maison. Allez, on rentre. Vous, vous devriez avoir honte de mêler un enfant, un chien et une tortue à vos expériences. Alors, Monsieur Moustache, il semblerait que l'adage « qui échoue un jour, échoue toujours » se vérifie. Ça doit vous rappeler votre jeunesse de rater votre expérience. Bien, je crois que j'ai gagné par forfait. Caporal, j'ai gagné. Tournée de tisane à la camomille pour tout le monde. Oh, me faites pas cette tête. On profitera de l'orage pour regarder des vieux films et manger du pop-corn. Et puis, ok, on n'est peut-être pas des spécialistes de la foudre, mais moi, je sais un truc. Au cas où ça deviendrait vraiment, vraiment dangereux... Peu de chance. L'endroit le plus sûr, c'est la voiture. Je l'avais lu dans la météo pour les camps. Et... Laisse tomber, ils sont déjà partis. Ah. Je me sens beaucoup mieux d'un coup. Je crois même que je pourrais dormir tranquille. Pas vous? Ah, petite nature, va. Heureusement que je suis là. Tu peux toujours approcher, Orage. Je crois que j'ai le coup de foudre. Le coup de foudre, t'as compris? Non? Allez. Ah, balance tes équerres. Je dis juste que si on avait laissé Monsieur Moustache finir ses expériences, on n'en serait pas là. J'ai l'impression que c'est déjà fini. Tu vas vérifier, chérie? Moi? Mais s'il y a encore des éclairs? Et si le paratonnerre est cassé? Et si... Et
Et si j'allais voir? C'est qui le papa? Hein? C'est qui le papa? Allez! Hein? Pas de nuages, pas de pluie, pas d'orage. Inquiétant. J'espère que Madame Stick continue ses expériences au cas où. Ah! J'ai gagné! On n'entend plus le tonnerre. C'est fini? Plus de ballons, c'est ballot. Ouais, laisse tomber. Un peu de calme avant la tempête. Mais patience, le deuxième service arrive. Change mon recharge. Des éclairs sans orage, c'est quand même bizarre, non? Si on demandait l'avis d'un spécialiste. Mais on ne va pas déranger Madame Stick si tard. Je pensais à Monsieur Moustache. Je crois que ça ferait plaisir à Boule. Et puis on n'a qu'à dire que c'est un cas de force majeure. C'est pour rassurer notre fils et notre chien. Oui! Désolé, mais je crois que je ne suis pas la bonne personne. Comme je l'ai suffisamment entendu aujourd'hui, je crois que je ne serai jamais vraiment un scientifique. Je ne sais faire qu'échouer. Je ne voudrais pas décevoir le petit. Monsieur Moustache, faut pas avoir peur. Je crois en vous, moi. Moi aussi, je crois en vous. Mais j'ai trop peur de provoquer une catastrophe. C'est justement parce que vous avez la trouille de raté que ça rate. Prenez-le comme un jeu. Papa dit toujours qu'il faut surmonter ses peurs. Oh oui, 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 c'est vrai, je le dis, c'est vrai. Allez, on dit que si Bill trouve le courage de sortir dans le jardin, vous finissez votre méga paratonnerre. Ouais. Toi? Préviens quand tu lances des paris. Et si ça recommençait par surprise, la foudre? Paris gagné. C'est à vous de jouer. Tout le monde dans la maison, je m'en charge. J'ai gagné. Quoi? Tonnerre? Tonnerre! Tous dans la voiture! Entrez, Monsieur Moustache, c'est trop tard! Non, je suis prêche, je suis prêche! Mais il est complètement foudre! Merci, Boule. Tu vois, en fait, ce qui me manquait, ce n'était pas du courage. C'était un bon assistant. Je te protège, chérie. Mais oui, mon amour, tu me protèges. Quel temps de chien! Entendu ça? On dirait Madame Stick. Si c'est la voisine, c'est pas grave. Peut-être qu'il est arrivé quelque chose à Caporal. Ah, si c'est le matou qui a des problèmes, ça change tout. Là, ça m'intéresse. Tu n'as pas honte de toi, Bill? Ça va, c'est une blague. Enfin, plus ou moins. J'en ai partout. J'en ai un là, j'en ai un autre là et encore un autre ici. C'est une catastrophe. Mais oui, c'est certainement rien de grave. On dirait une grosse framboise. Mais si, c'est très grave. Vous imaginez si mon pauvre caporal attrapait ça? Hors de question, je vais passer la nuit à l'hôpital, ce sera plus sûr. Pauvre Madame Stick, c'est vrai qu'un peu de repos lui fera du bien. Et ça nous fera des vacances. En attendant mon retour, je compte sur vous pour garder mon caporal. Aucun problème. À votre service, Madame Stick. À demain. Ça va? Oh, non, mais c'est quoi cette blague? Moi aussi, je suis persuadée que Madame Stick n'a rien de grave, mais on ne peut quand même pas la laisser tomber. C'est vrai. Entre voisins, nous devons nous soutenir. Mais... Oh, puisque tu t'occupes bien des animaux, c'est toi qui vas prendre soin de Caporal, d'accord? Non!
T'inquiète pas, Bill. C'est pas grave si tu veux, on pourra jouer plein de tours à Caporal. Et surtout qu'il n'arrive rien à son chat. Elle nous rendrait la vie impossible. Enfin, encore plus impossible que maintenant. C'est bien compris, tout le monde. Caporal est notre invité aujourd'hui. Ou alors, tu sais, on peut toujours l'ignorer et jouer de notre côté. Alors, fiston, comment ça se passe? Ça va. Caporal était très calme, alors je l'ai sorti de sa cage. Depuis, il n'a pas bougé d'un poil. Allez, viens, on va jouer dehors. Allez, s'il te plaît, Bill. Je le laisserai pas seul ici. Boudou, boudou, boudou. C'est un beau minou, ça, hein? Ben, moi qui pensais que tu étais un vilain chat. Quelle bonne surprise! J'y crois pas, et moi alors? T'inquiète, je suis sûre qu'il fera pas de bêtises. Viens, on va jouer dehors. T'as raison, Macaro, il est trop lèche-botte pour faire quoi que ce soit. Tu ne vas pas jouer avec eux? Ça me prend la tête. À boire, vite! T'as tout bu! Oups! Tu nous as même pas laissé une goutte! Bill, qu'est-ce qui t'arrive? Hé, hey, oh, regarde! Hein? Caporal a bu toute l'eau de ma gamelle! Arrête d'aboyer, Bill! Papa et maman vont s'énerver si tu continues à faire autant de bruit! Mais c'est pas ma faute! Tu peux toujours boire au robinet? Bill, arrête de faire l'imbécile! Je sais que c'est dur pour toi d'avoir Caporal à la maison, mais c'est seulement pour quelques heures. Ouais, c'est ça, miaule toujours. Cette fois, rien ne me fera sortir de mon panier. Je crois que Caporal aimerait bien dormir dans le panier, lui aussi, plutôt que par terre. On peut pas, c'est complet. Vous pouvez pas lui faire une petite place? Quoi? Et puis quoi encore? Tu veux pas qu'on lui laisse le panier à lui tout seul tant qu'on y est? Vous voyez? Il veut juste vous faire un câlin. Caporal! Ça suffit, Bill. Sois gentil un peu. Allez, sors du panier. Oh, arrête! Tu me chatouilles! Oh, Bill, tu sais que tu n'as pas le droit de monter sur le divan. Oh. Maintenant, tu n'as plus aucun droit dans cette maison. Désormais, ces idiots m'obéissent à l'œil et à la patte. Qu'est-ce que tu lui racontes comme ça? Je dis juste que tu es bête comme tes pieds. Caporal, cette fois, tu vas beaucoup trop loin. Poulet du chef. Regardez-moi ça. Mon plat préféré. Oui, quand il n'est pas brûlé. Tiens, tiens, il veut manger un peu de pâté pour chien, le minou. Mais j'ai rien fait du tout, je le jure. Oh non, on a oublié de donner à manger à Caporal. Madame Stick ne nous a pas laissé de nourriture. Tu penses qu'il aime le poulet? Tiens, mon chat.
délicieux. Franchement, Bill, tu devrais goûter. Non, Bill. C'est vrai, il est pas mal, s'il vous plaît. Pas mal, c'est tout. Ça remonte la semaine dernière. Sans commentaire. Bill, arrête ça tout de suite. On ne peut pas garder Bill et Caporal sous le même toit cette nuit. Ça va être ingérable. Mais Bill, comme toi. Je crois que je vais enfin récupérer ma place à la maison. Mais on ne peut pas mettre Caporal dehors, surtout qu'il n'a rien fait de mal. Tu as raison. Bull, tu veux bien mettre Bill dans sa niche pour la nuit? Hein? Mais c'est Caporal qui... Laisse tomber, Caroline, ça sert à rien, on n'est plus chez soi. Il est hors de question que je te laisse aller dormir tout seul, Bill. Je vais venir avec toi. Bonne nuit. Oh? Les amis. Désolée, Bill, mais c'est ta faute si tu dois passer la nuit dehors. Il faut qu'on lui explique ce qui s'est passé. T'as raison. Je vais imiter Caporal. Hein? Miaou, miaou, miaou. Qu'est-ce que tu fabriques, Bill? Tu t'es pris pour Caporal ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Miaou, miaou. Tadaa! Ça y est, j'ai compris. Caporal s'est amusé à te jouer des tours dans notre dos. C'est pas vrai, j'aurais dû m'en douter. Je suis vraiment désolée, Bill. J'aurais dû m'en rendre compte. Et moi. Ça vous dirait d'aller donner une petite leçon à Caporal? Ouais. Gentil minou, c'est qui le plus mignon des Caporals du monde entier? Youhou, Caporal! Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces deux-là? On va dormir chez toi! Non! C'est l'heure de se coucher maintenant! Qui c'est qui va faire un gros dodo et être très sage? Non! Ma maison! Partez chez moi! C'est bon, il y croit! Me sortais-tu, moi? Ouais! Non. Eh ben, moi, j'ai super bien dormi. J'espère que toi aussi, Caporal. Est-ce qu'on s'est amusé chez toi cette nuit? Ah! En plus, j'ai trouvé d'excellentes croquettes. Non, pas mes croquettes. Et puis j'ai trouvé plein de jouets pour chat à déchiqueter. Désolée, j'ai bavé dessus. Pas mes doudous. Et comme je savais pas où faire pipi, j'ai fini par faire dans ton panier. J'ai eu raison ou pas? Bonjour, bien le bonjour, voisin. Madame Stick, vous avez l'air très, très en forme. Et cette nuit à l'hôpital, alors? Ah oui, c'est vrai, l'hôpital. Je n'y ai passé que 10 minutes, à vrai dire. C'était des boutons de stress, rien de grave. Mais bon, faut dire que ce n'est pas facile d'avoir des voisins comme vous. Mais oui. Enfin bref, comme vous gardiez Caporal, je suis allée me détendre à l'hôtel Hawaï. Massage, piscine à bulles, bain de boue, danse hawaïenne. Ça m'a fait énormément de bien. Oh, je reconnais mon Caporal bien élevé comme tout. Pas comme d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Oh. Enfin, il est parti. Oh, viens dans ton panier jouer avec tes doudous. Et comme je savais pas où faire pipi, j'ai fini par faire dans ton panier. Doucement, Caporal! Pourquoi tu n'es pas aussi sage que tes boules?
Cette fois, je te tiens, mon joli. J'ai trop envie d'aller voir Max contre la montre au cinéma. Il y a une scène où Max poursuit le train avec des voleurs. Ça doit être un film de ouf. On croyait que les chars tombaient toujours sur leurs pattes. Toi, tu retombes plutôt sur la truffe. Bah alors, chaton, on a oublié de mettre ses coussinets antidérapants ou quoi? Vous allez me le payer. Et toi, tu parviens pour attendre, sandwich à plumes. Ce savon est parfaitement glissant. Il faut passer par la porte. Allez. Alors, Minou, on manque de câlin? Je te dis que c'est par... Oh. Mais oui, bien sûr. Dis donc, on a du mal à le reconnaître avec cette mousse. La pâtée du matin n'était pas très fraîche. J'espère que c'est pas contagieux. Oh, faut toujours que ça tombe au moment de ma pause déjeuner. Qu'est-ce que... Oula, un putois enragé. Oui, un putois enragé, j'aurais pas dit mieux. C'est super rare les putois dans le quartier. Celui-ci a la rage, il bave de partout. C'est dégoûtant, ne pas regarder, ça risquerait de me couper l'appétit. Direction la fourrière avant que tu ne contamines tout le quartier. Il a dit fourrière. Et hop. Là, c'est plus drôle du tout. La fourrière. Aucun copain n'en est jamais revenu. Il paraît qu'on y transforme les animaux en moufles, en gants, pas encore, mais des moufles. C'est tellement peu élégant. Non, ça c'est juste une légende urbaine. La vérité, c'est qu'en hiver, on les transforme carrément en pâté pour chiens. Il y en a qui ont déjà retrouvé des griffes dedans. Pauvre caporal. On a été un peu dur avec lui. Ouais, c'est un peu de notre faute si Caporal s'est fait prendre. Et Madame Stick qui est partie pour la journée. Et s'il ne revenait plus jamais? Il faut faire quelque chose. Il faut sauver Caporal. Je fais l'orfèrage. Voilà. Ça y est, je l'ai retrouvé. Alors? Il est en train de baffrer des grosses pizzas juste devant le restaurant. Des pizzas? Tu crois qu'il y en a à la salade? Devant le restaurant? Génial! Merci, Robin. Et voilà. Il mange une pizza sur un banc. Tu crois que c'est une 4 fromages? Ils en ont 4 salades? Ça va être fastoche. On va derrière le camion sans se faire voir. On ouvre la porte arrière, on libère Caporal et on file. Trop fastoche. C'est parti. Zut, elle est fermée à clé. Coucou, qui c'est? Ça sent le bile ici. Tu viens encore te moquer de moi, c'est ça? Mais non, on vient en ami pour te sauver. Mais on n'a pas la clé. Oh, génial, ça commence bien. Bien vu, Caro. Je sais ce qu'on va faire. Cool. Miam, c'est délicieux. Une tortue sur un skateboard. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pizza 4 saisons, pas ma préférée, mais ça fera l'affaire. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Ma pizza, arrête, file, c'est pas pour toi. Oh.
Oh non, ce sont les clés des cages, pas celles des portières. Eh ben mon coco, avec des potes comme vous, pas besoin d'ennemis. Tu parles d'un plan d'évasion. J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Tu pourrais entrer, toi. Moi? Mais ma carapace est bien trop grosse. Elle passera jamais à travers les barreaux. Ta carapace, non. Mais toi, oui. Alors? Oh non, pas question. Pas devant Caporal. Faudrait pas que j'attrape un rhume, moi. T'inquiète, je vais mettre ta carapace en lieu sûr. Tu la retrouveras en sortant. Tiens, voilà les clés. Oui. Évidemment, ça pouvait pas être la plus basse. Caporal, je suis venue te sauver. Mais on dirait super limace. La limace à pattes qui se carapate. Chut, mais fais moins de bruit, on va nous entendre. Trop bon. Et maintenant, au boulot. Oh non, pas déjà. Vite, Bill, il faut le retarder. Suis-moi. Tu te rappelles le jour où on a mangé des glaces ici? Trop délicieuses. Le rêve. Oh oui, une bonne glace à l'os à moelle avec des petits éclats de croquettes vertes. Miam. Des glaces? Des glaces succulentes avec plein de chantilly. Double crème glacée, s'il vous plaît. C'est pas celle-là? Celle-ci non plus. Super limace. La limace qui sauve l'univers, nu comme un verre. Avec ça, on est tranquille pour un moment. Yep. Mais il la dévore comme un gros cochon. 8 crèmes glacées, s'il vous plaît. Ça y est, t'es libre. Viens vite, il faut sortir d'ici. Merci, Super Limace, je te suis. À la trace. Vite, vite, vite. Tu vois, avec un peu de souplesse, on arrive à sortir facilement. Après tout, t'es un chat. Les masses. Oh la limace. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tiens, bonjour, me... J'ai un putois baveux très contagieux dans mon camion. Si ton chien approche, il sera contaminé et je devrais l'embarquer lui aussi. Mais qu'est-ce que... On dirait une grosse limace avec des pattes. Génial, il a trop raison, ce gars. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, monsieur, en fait, c'est ma tortue. Je vais tout vous expliquer. Tu me prends pour un lapin de 6 semaines ou quoi? Une tortue sans carapace, ça n'existe que dans les dessins animés. Allez, file jouer aux billes ou je t'embarque aussi. Mes clés, mais qu'est-ce qu'ils font là? J'ai dû les oublier à l'intérieur. Eh, on va peut-être finir en croquettes, mais au moins, on sera bien fendu la poire. Oh non, Caro, Caporal! Il faut qu'on les sauve, mais comment? Pauvre Caro, tout ça, c'est ma faute. La chantilly, la voilà la solution. Caro est prisonnière et toi, tu penses à ton ventre. Bill, j'ai besoin de toi. Il faut inviter tes amis chiens à venir manger une petite glace. Oh, j'ai trop mangé. Mais qu'est-ce que... Trop bon, cette chantilly. Non, 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 une épidémie. Au secours, à l'aide. Quelqu'un, évacuez vite. Victoire. Je suis là, Macaro. Je suis désolée. C'était là. Plus de peur que de mal. Non, attends. Caporal, tu t'es moqué de moi. Tu dois t'excuser. Oh, allez. Fais pas ta limace. Il n'y a pas de lézard. Allez, les copains, faites vite. L'autre malade va revenir avec des renforts. Allez, viens, Caro, au bout la raison. Tant pis pour Caporal, il finira en pâté royal. Eh, non, 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 attendez. Eh, on rigolait. Je suis désolé. Là, voilà, je suis désolé. Pardon, je m'excuse, gna gna, vous me libérez. Attendez, si le gardien de la fourrière revient et qu'il n'y a plus personne, il va lancer une alerte sur toute la ville. Boule a raison.
Caporal, tu restes dans la cage. Je crois que j'ai une bonne idée. Mais je vous assure, monsieur le vétérinaire, une meute d'animaux baveux, ils ont tenté de m'attaquer. Faut faire vite, faut évacuer la ville. Ça, des chiens enragés. Mais il n'y a pas plus gentil que Bill, Loulou, Plush et Ming. Regardez, ils sont même amis avec une tortue et avec Caporal, le chat de Madame Stick. Bon. Un chat? On dirait le putois que j'ai attrapé ce matin. Vous êtes sûr que... Mais si Caporal est là, qui est dans la cage? Caro? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est lui qui l'a mise là. Il a d'abord pris Caporal pour un putois, puis Caroline pour une pizza 4 saisons. Mais c'est faux. C'est vrai que j'ai mangé un putois après avoir capturé une pizza... j'ai d'abord attrapé un putois hyper contagieux, puis une sorte de grosse limace à pâte. Et il faut me croire, monsieur le vétérinaire, je vous jure... Alors, truc sèche, poil terne, certainement du surmenage. Vous devriez prendre des congés. Oh, c'est vrai, je me sens pas très bien, je suis désolé, gamin, sincèrement. Non, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent quand on travaille trop. Je crois que je vais prendre quelques jours de repos. Peut-être, ah oui, aux Bahamas. Ces vacances vont vous faire le plus grand bien. Et à nous aussi.